Bonjour à tous, bienvenue dans les questions directes d'LFM, votre nouveau programme hebdomadaire citoyen. Aujourd'hui, on reçoit Christophe Delrieux, le nouveau maire de Carrières, sous Poissy. Nous sommes partis à la rencontre des habitants de cette commune yvelinoise de 16 000 habitants. L'occasion pour eux de poser leurs questions directement à Christophe Delrieux, fraîchement nommé aux dernières élections municipales. Les questions directes d'LFM 95.5, c'est maintenant. Bonjour, donc je m'appelle Liliane Zé. Je suis habitante de Carrières depuis 2 ans et demi, donc dans le domaine de Ronceret. Et la question que j'aimerais poser au nouveau maire et qui a déterminé aussi mon vote, c'est de savoir s'il va prolonger en fait les horaires de bus. Il va renégocier avec Veolia pour prolonger les horaires de bus parce que quand on habite, comme on dit, dans les cités dortoirs, parce que pour moi c'est une cité dortoir avec les horaires qui se terminent, les bus qui se terminent trop tôt, c'est vraiment hyper pénible pour avoir une vie sociale. Donc c'est ma question. Est-ce que les bus vont pouvoir se terminer un peu plus tard que 21h30 ou 22h pour le plus tardif? Voilà. Alors oui, on va. Alors c'est plus Veolia par contre, hein, c'est Transdev CSO maintenant, puisque Veolia a cédé à Transdev CSO. Et on l'a annoncé dans le programme, donc on est déjà en train de fixer des réunions pour justement voir comment allonger les heures des grosses fréquences en fait, parce qu'on a quelques bus qui sont très tardifs, mais très peu. Bonjour, je m'appelle Paul, j'habite Carrières sous Poissy et au nouveau maire, dont je suis heureux qu'il soit élu, je lui pose la question suivante, qu'est-ce qu'il peut faire pour améliorer la sécurité au quotidien sur Carrières? Il est prévu de créer 3 brigades, une brigade d'intervention, une brigade de vidéoprotection et une brigade pour tout ce qui concerne la circulation routière et surtout de passer d'une logique, en fait, d'anticipation du délit, parce qu'aujourd'hui on est plutôt à une logique de réaction après le délit et donc d'essayer d'avoir des vidéo-opérateurs devant les caméras pour essayer d'anticiper donc les délits et éviter qu'ils se fassent. Bonjour, je m'appelle Samia, donc je pose une question au maire, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il va apporter tout au long de son programme pour les commerces à Carrières sous Poissy. Alors, on a prévu 2 choses. La première, c'est de soutenir les petits commerces de proximité, notamment ceux qui sont sur la place Saint-Exupéry, pour qu'ils ne soient pas happés dans une spirale de déficit quand la centralité va arriver. Et la deuxième chose, c'est aussi de redonner de la vie et de la vitalité par l'implantation de terrasses éphémères, notamment, qui sont demandées par tous nos restaurateurs et nos cafetiers, et également de marchés. Un marché sur la place Saint-Exupéry et un marché sur le quartier Saint-Louis. Bonjour, je m'appelle Candia. En fait, j'habite à Carrières, j'ai une question à poser pour le maire. Est-ce qu'il a triché aux élections? L'ancien maire ou le nouveau? Oui, Christophe, c'est le Café de l'Otile, donc on te souhaite déjà bon courage. On est très fiers d'être que tu sois notre maire de Carrières sous Poissy. On a une petite question pour toi. J'ai mon fils à la crèche des Pitchounes. J'aimerais que tu fasses un petit saut là-bas et arranger un petit peu les choses. Voilà, merci. On essaiera de faire le maximum pour être le plus proche possible de tous les Carriérois. Merci à tous.